Carte blanche à Texblog and Rock'n'Roll. Bonjour, c'est Jean-François Convert de Texblog and Rock'n'Roll. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle chronique carte blanche sur la radio W1RS où je vous fais découvrir mes coups de cœur dans différents styles musicaux. Alors aujourd'hui, on va écouter des choses un peu plus rock après les précédentes chroniques qui avaient vu donc le folk, puis le blues, puis la soul dernièrement. Justement, on va faire une petite transition un petit peu avec quelque chose qui démarre un petit peu soul rock pour faire la liaison avec les dernières chroniques. Et puis surtout, bien comme aujourd'hui c'est la fête des mères, j'avais envie de regrouper un petit peu plusieurs artistes féminines. Et donc on va écouter des groupes ou des chanteuses qui font du rock, vous allez voir, bien charpenté et qui prouvent qu'elles n'ont rien à envier à leurs homologues masculins. Alors on va commencer avec un groupe qui s'appelle Jesse Lee and the Alchemist, qui est un groupe, on va dire, qui pourrait se situer à mi-chemin entre la soul, le blues et le rock. Ils ont sorti un nouvel album qui s'appelle Let It Shine début mai. Voilà, j'avais eu l'occasion d'en parler un petit peu dans une chronique sur France Info à propos des 35 ans du label Dixie Frog, label bien connu du monde blues et rock en France, et qui justement arrive à faire perdurer l'intérêt pour cette musique dans l'Hexagone. Et donc Jesse Lee and the Alchemist ont sorti ce nouvel album qui, comme leurs précédents, on va dire, continue de mêler un petit peu ces diverses influences entre aussi bien du rock très très heavy, on va voir comme un petit peu le premier morceau, mais avec des intonations dans la voix de Jesse Lee qui peuvent rappeler un petit peu de la soul ou du blues. Et donc on va écouter le morceau qui ouvre l'album, qui s'appelle Hanover, avec un riff que je trouve très zeppelinien et en même temps des ambiances un petit peu soul. Voilà, on écoute tout de suite Jesse Lee and the Alchemist, Hanover. Now you say you're the one for me, and I pray, baby, can't you see? Is it real? Is it fantasy? Used to play the same melody.
feel like you're nobody. Alors les guitares que vous venez d'entendre sur ce titre sont assurées par l'excellent Alexis Didier, mais aussi par Jessie Lee, qui en plus d'être une chanteuse à la voix puissante, maîtrise également le maniement de la six cordes. Et c'est souvent ce qu'on voit, je dirais, de plus en plus maintenant, des guitaristes féminines qui assurent vraiment la guitare. Et justement, on va passer à Laura Cox, une guitariste bien connue des internautes et des youtubeurs, puisqu'elle a un grand succès sur YouTube avec ses vidéos, notamment parce qu'elle prodigue beaucoup de conseils pour apprendre la guitare, très souvent dans les riffs, on va dire, blues, hard rock, des classiques. Et elle enregistre également des albums donc dans ces styles-là, avec des influences très classique rock, hard rock. Et elle a sorti donc un album qui s'appelle Burning Bright en fin 2019. Et là, on va écouter donc le single Bad Luck Blues qui, on va dire, envoie du bois. Voilà, je vous laisse écouter Laura Cox, Bad Luck Blues. Bad Luck Blues keeps getting in my way. Keeps getting in my way. No one will save me anyway. Here I am crossing the line. Again, you wanted me out. I wanted it all.
Alors comme je vous le disais, Laura Cox a un très grand succès sur YouTube, puisque sa chaîne maintenant avoisine pas loin des 500 000 abonnés, et puis qu'elle cumule, je crois, plus de 90 millions de vues de ses vidéos. Mais surtout, elle a récemment été reconnue comme une artiste officielle Gibson. Donc voilà, c'est un indicateur, on va dire, sur son talent et le niveau de reconnaissance de ses pairs. Alors, Jessie Lee, Laura Cox, elles se connaissent, elles ont déjà joué ensemble, mais elles ont surtout partagé la scène avec la prochaine artiste que je vais vous présenter et qui est vraiment un des grands coups de cœur pour moi de ces dernières années, c'est Gaëlle Buswell. Donc toutes les trois, elles ont eu l'occasion de jouer soit à deux, soit à trois ensemble, puisqu'elles sont vraiment dans un registre un petit peu commun et un amour pour le blues rock et le classic rock. Alors Gaëlle Buswell, je l'ai découverte il y a 4 ans, en 2017, avec son album New Days Waiting, que j'avais vraiment beaucoup aimé, à tendance très Americana, très country rock. Et puis, je l'ai suivie pendant toutes ces années, elle a eu vraiment un parcours vraiment incroyable. Elle a eu l'occasion de faire la première partie de Ringo Starr à l'Olympia, puis de ZZ Top au Festival de Pérouge. Et puis elle a pu surtout aller jouer au studio Abbey Road, enregistrer au studio Abbey Road, donc c'est vraiment, vraiment super comme histoire. Et elle a sorti un album récemment qui s'appelle Your Journey, dont certains titres bonus en acoustique ont donc été enregistrés dans le fameux studio 2 d'Abbey Road. Et j'ai eu l'occasion de l'interviewer pour France Info, donc vous pouvez éventuellement retrouver ma chronique sur France Info pour avoir plus d'informations sur cet album. Et là, on va donc écouter le dernier single qui est sorti il y a deux, trois jours, qui s'appelle Last Day, avec encore une fois un riff de l'excellent Michel Benjenoun à la guitare. Et voilà, c'est vraiment, vraiment de la très 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 bonne musique.
Alors, comme je vous le disais, Gaël a eu l'occasion de faire la première partie de vraiment d'artistes, on va dire, de très grandes têtes d'affiche comme Ringo Starr ou ZZ Top. Et puis aussi Johnny Lang, un artiste qu'elle apprécie beaucoup. Et puis là, il était prévu normalement que début juillet, elle joue en première partie de Deep Purple au festival de Pérouges à côté de Lyon. Malheureusement, le festival a été annulé à cause de la pandémie et le concert est reporté à 2022. Mais voilà, on espère qu'a priori, le fait qu'elle joue en première partie de Deep Purple est maintenu et donc on pourra aller voir ce concert l'année prochaine en juillet 2022. Alors Deep Purple, ça me permet de faire la transition avec le groupe suivant, qui est aussi toujours dans la même veine, un petit peu blues rock, on va dire, charpenté et cossu. Puisqu'il s'agit de Red Beans and Pepper Sauce, un groupe qui est originaire de Béziers, et qui, eux, en plus de, on va dire, la formule classique guitare, basse, batterie, ont un clavier qui vraiment sonne très très Deep Purple, avec aussi bien des sons saturés, des mélodies et des solos assourdissants et avec des cascades de notes vraiment impressionnantes. Et aussi bien un petit côté des fois qui peut aller vers le soul ou des influences presque néoclassiques. Donc voilà, on sent un petit peu le côté Deep Purple dans leur musique, mais bien sûr avec des influences d'Hendrix, de Led Zepp et... ou plus récent de Gary Clark, des choses un petit peu comme ça. Alors Red Beans and Pepper Sauce, pareil, je les ai découverts il y a 4 ans, j'avais chroniqué leur album Red sur France Info, à l'époque c'était Culture Box, et puis là ils ont donc sorti un nouvel album l'année dernière, qui s'appelle Mécanique Marmalade, et on va écouter un des singles de l'album, qui est un morceau vraiment avec un riff lancinant et qui instaure une ambiance vraiment particulière, qui s'appelle My Holy Guest. Il y a un très beau clip sur leur chaîne YouTube que vous pouvez voir. Et voilà, c'est aussi un de leurs aspects où on a l'impression un petit peu d'un blues du Mississippi, mais remis à la sauce actuelle avec... un gros son, une grosse guitare, et vous allez voir donc la voix de Jessica Ake, la chanteuse, qui elle aussi peut partir dans des gammes et des hauteurs assez impressionnantes. Je vous laisse écouter Red Beans and Pepper Sauce, My Holy Guest. Glasses.
Alors un autre exemple de groupe blues rock avec une chanteuse à la voix puissante et puis un guitariste vraiment virtuose, c'est le groupe Rosedale avec Amandine Roses au chant et Charlie Faber à la guitare. Charlie qui avait joué déjà avec plusieurs artistes auparavant, et notamment Fred Chapelier, le bluesman, et donc il l'avait accompagné. Et Amandine et Charlie ont fondé Rosedale donc il y a 5 ans maintenant, si je ne dis pas de bêtises. Et leur premier album, Long Way to Go, en 2017, me les avait fait découvrir. Je les avais chroniqués sur Culture Box à l'époque. Et depuis, je les ai suivis. Ils ont sorti donc Wide Awake en 2018. Et puis là, ils ont sorti un nouvel album il y a 2 jours, qui est paru donc vendredi. Et donc on va écouter le dernier single de cet album qui, on va dire, change un petit peu de tonalité et devient un peu plus rock, alors que les deux précédents avaient des couleurs peut-être un peu plus blues. Et là vraiment on sent un petit peu le virage rock sur cet album, et notamment sur ce single qui s'appelle Ghost Song. I'm a ghost for you. I'm
pour terminer, une découverte de la fin de l'année, c'était en décembre, quelques jours un petit peu avant Noël. J'ai eu le plaisir de découvrir une chanteuse et guitariste qui s'appelle Stefa, et qui, elle, on va dire, mêle vraiment plusieurs influences, puisque ça peut aller aussi bien du folk, pop, du blues un petit peu funky, comme le titre qu'on va écouter, qui s'appelle Marilyn. Et elle a sorti un EP donc le 24 décembre. C'était un beau cadeau de Noël. Et vous allez voir que, pareil, elle maîtrise la guitare vraiment bien. Et elle a une voix, par contre, plus douce que les chanteuses qu'on a écoutées précédemment, qui lui permet un petit peu d'avoir ce registre un petit peu plus pop. Voilà, j'avais mis sur ma chronique, c'est un petit peu comme si Anna Popovitch, la guitariste de blues, chantait avec la voix de Joni Mitchell. C'est vraiment un petit peu ce mariage entre ces deux influences. Des riffs à la guitare bien solides et des solos bien sentis, et une voix un petit peu plus éthérée et qui change un petit peu des couleurs blues rock dont on a l'habitude. On se quitte là-dessus, et puis je vous dis à une prochaine fois pour une chronique sur d'autres styles avec d'autres coups de cœur. Il y a de quoi faire en ce moment, parce que vraiment beaucoup de découvertes et beaucoup de choses qui vraiment m'accroche à la première écoute. Bonne écoute, on se quitte avec Stefa Marilyn. Au revoir et à bientôt. There was a girl called Mel. I fell for her laughter. The way she made people stare. Set the house on fire. She hailed voices in her head. Marilyn rocks the boat. Her father's gone, he left her. She knows in her heart and soul he wasn't the kind of lover. Some days she just wants to play. Marilyn is high and dry, humming to a silent cry. She loves the rain on a stormy night, checks her heart if the beat is right. She hums to ease the pain. Marilyn's at the fair. She looks around in wonder. Buys candy floss to share. Walks through the highs of horror. Inhales her hopes and happiness. Right.